nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo où nous allons voir des nouveautés incroyables, genre des nouveautés pas sûr qu'il y aura, mais des idées, on va dire, des idées que les fans d'Adopt.me donnent. On va voir tout ça et on va penser, donc on va donner notre avis quoi. Et donc déjà pour vous dire, j'en ai très très marre des cadeaux, donc je parle de ça. Donc ça, je pense qu'on en a tous marre. Donc tout ça là, la banana car, tous les trucs ici, on les a tous eu au moins une fois. Mais moi c'est pas qu'une seule fois. Regardez déjà tous les bâtons que j'ai, les ballons de football. Enfin j'ai plein, même les poussettes rarissimes, j'en ai plein. Les banana car, j'en ai donné plein. Là il m'en reste deux. Donc oui, on en a marre. Donc il n'y a pas que moi qui a ça, il y en a plein d'entre vous. Donc on va pas aborder le sujet sur ça, on va direct passer au sujet de la vidéo. Donc on va voir tout ça sur Twitter, donc c'est parti. Alors donc déjà le premier sujet, enfin la première photo qu'on voit, c'est Adopt.me en Halloween. Donc déjà on voit, ben, ça c'était comme ça, et là on voit que c'est mille fois mieux, genre les couleurs sont ils font peur quoi. Donc c'est des couleurs sombres, j'ai trop zoomé, des couleurs qui font peur, enfin pas qui font peur, mais des couleurs qui font penser à Halloween. Donc je trouve ça c'est déjà bien, je trouve c'est bien, juste que c'est un peu très je sais pas, il y a un truc qui va pas, genre je pense c'est que ça soit mauve, je pense que, enfin violet, je pense que c'est mieux que ça soit en vert foncé ou vert d'automne, genre le vert ou genre pas vert mais genre je sais pas, quand en automne d'habitude, enfin parce que là on est en 2020, mais cet automne est très joyeux, enfin on va dire ça comme ça. Normalement en automne l'herbe enfin tout est détruit, donc déjà les arbres, toutes les feuilles tombent et tout, enfin voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pas grave, donc je trouve que c'est une bonne idée. Deuxième photo, donc c'est une photo où il y a une maison TikTok, donc ça pourrait être sublime, donc ça a l'air grave bien. Je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Parce que on sait tous que TikTok maintenant c'est un truc de dingue. Enfin, c'est un truc que tout le monde aime. Enfin, pas tout le monde, mais il y a la majorité d'entre vous aime TikTok comme moi. Moi j'aime trop TikTok, donc allez me suivre sur mon TikTok. C'est bah, Roblox-du-bas, Chanel-du-bas, FR. Donc c'est. Je trouve que c'est une bonne idée. On pourra faire plein de trucs à l'intérieur. Je sais pas, faire la Hype House par exemple. Genre. Enfin, ça pourrait être bien, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je vais lire tous vos commentaires pour savoir si vous aussi vous aimez ça. Troisième photo, donc c'est une maison multicolore, on va dire. Donc déjà, ça a l'air incroyable. Genre, une maison multicolore, on n'en a jamais vu. Même dans des autres jeux, je pense pas qu'on en a vu. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Ici, il y a écrit esthétique, cartonné, moderne, traditionnel. Donc... on sait pas, ça peut être cartonné, je trouve. La maison peut s'appeler Cartonese House. Genre, ça pourrait être bien. Donc, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une grave bonne idée. Moi, si elle sort, je l'achèterai direct. Et on visitera l'intérieur. Parce que je pense que même si ça a l'apparence de la maison family, là, à l'intérieur, ça peut être différent. Et donc, voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Quatrième image, donc là, je sais pas c'est quoi. Mais on voit une maison, donc je sais pas c'est quoi ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ça. Je sais pas quoi en penser, donc j'ai... Ah, c'est bon, je sais. Donc c'est une boutique japonaise. Donc ça a l'air grave bien, genre dans Adopt.me, une boutique japonaise. Même une boutique anglaise, on en a jamais vu. Donc c'est une très 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 bonne idée. Moi j'aimerais trop qu'il y ait ça, je trouve que c'est la merveilleuse idée. Genre ça a l'air grave bien. Prochaine image, j'ai oublié c'est la combienième image, mais ici on voit pas très bien le tout, là vous voyez, ouais. Donc apparemment c'est un marché, donc ça c'est bizarre, mais ça pourrait être bien, genre un petit marché, vous voyez. Ici on a des vêtements, ouais, ça pourrait être une très très bonne idée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très très bonne idée. On n'a jamais vu ça dans Adopt.me. Et je trouve que c'est encore une très très bonne idée. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est tous des très bonnes idées. Donc
Image suivante. Donc on va zoomer sur l'image. On voit qu'il y a des miroirs, on voit qu'il y a des vêtements. Je sais pas qu'est-ce que ça peut représenter, mais ça a l'air d'être bien. Genre, je sais pas, je pense que c'est des boutiques. Donc si c'est des boutiques, oui, oui, avec grand plaisir, parce que là, il y a pas trop des boutiques, il y a rien à acheter quoi. Donc si c'est des boutiques, ça serait mieux. Ensuite, là, on a une photo où on voit le parc. Donc vous voyez, on voit le parc. Comme dans la maison, il n'y a rien. Ici, apparemment, ils ont rajouté un truc. Donc on voit que c'est un truc à l'intérieur, je ne sais pas c'est quoi. Et ici, on voit une sorte de chaise, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a l'air bien, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça peut représenter, mais si on sait c'est quoi et que si ça a l'air, ça peut être bien, mais je sais pas qu'est-ce que c'est, donc je donnerai pas trop mon avis sur ça. Mais bon, prochaine image. Donc là, on voit la Tour Eiffel. Donc là, c'est la meilleure idée. Enfin, là, je l'ai déjà vu, donc plein de fois je l'ai vu. Donc ça pourrait être la meilleure idée. Et ici, regardez, il y a écrit oui, oui, baguette. C'est gentil, enfin c'est pas très gentil, mais l'idée elle est bien. Donc c'est... ah oui, et le truc oui baguette, c'est le grand cliché des Parisiens. Apparemment, quand on est à Paris, on traîne en béret, on a des baguettes et on dit oui oui baguette. Donc c'est totalement faux. À Paris, j'ai jamais vu personne avec un béret. Enfin, j'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un porter un béret. Enfin si, j'en ai vu, mais pas à Paris, non. J'en ai pas vu en tout cas. Et les traîner avec des baguettes, c'est... Enfin, non. Bref, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, s'il y a la Tour Eiffel, c'est une très bonne idée. Même si la Tour Eiffel, c'est pas un truc de malade. Mais pour les autres personnes qui ne vivent pas à Paris, apparemment, si. Donc, voilà. Bref, du coup, voilà, les amis. Je sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça. Moi, perso, je trouve que c'est tous des très bonnes idées. Bon, certaines, il n'y a pas... Certaines, j'ai pas compris. Par exemple, dans le truc dans le parc, j'ai pas compris c'était quoi. Mais je trouve que oui, il y a certaines de très, très, très bonnes idées. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Je le lirai. Et enfin, je vais lire vos avis, hein, et je répondrai à certains avis. Ah oui, et pour la légende de je teste la légende Roblox Channel, Roblox Channel, Roblox Channel 3 fois, et que je vous épingle. Et s'il y en a qu'ils ont fait, mais j'ai pas épinglé, et ben c'est normal, c'est parce que j'ai déjà épinglé quelqu'un et on peut pas épingler deux personnes, donc voilà. Bref, du coup, voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en tout cas, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye!